à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va parler des T-Max 530. Donc à ma droite il y a le T-Max 530 de 2014. À ma gauche il y a le T-Max 530 Iron Max de 2015. Donc là je vais vous faire une petite présentation du 2015 Iron. Avec mon ami qui est là. Tranquille. Il va nous parler de son T-Max. Donc il va nous parler de son petit Iron. Franchement il est beau, hein. Pour moi c'est un des plus beaux modèles. Il détrône tous les autres, que ce soit le 560, le DX, le SX, le nouveau qui sort là. Celui-là c'est vraiment le plus beau. Dédicace à SLRV, cet endroit là. Dédicace à SLRV, ouais. Si tu dois reconnaître la petite ligne droite. Il est mythique. Donc t'as fait quoi dessus sur ton Iron? Bah sur l'Iron, déjà du coup il y a une petite vidéo avec SLRV comme je viens de dire sur l'Iron et sur le 560 qu'on a comparé. Là on compare finalement deux phases qui sont similaires, très similaires, mais il y a des détails quand même. Ouais ouais, il y a pas mal de détails. Là tout du coup ce qui est nouveau, bon ceux qui le connaissent déjà, bah, j'ai mis tunnel BCD, je viens de mettre ça à RMP, franchement, ouais, sachant que les pièces BCD c'est encore plus cher. Il est pas mal du tout. Hein. Que ça ne l'était déjà. Ah comme ouais. C'était pas assez cher. 105 euros le tunnel. Hein. 105 euros. Voilà, faut, les amis, faut mettre le prix. Hein. Faut mettre le prix pour du BCD. Voilà, hein. Après, sinon, on a mis des embouts de guidon. En fait, on est sobre pour l'instant encore. Embout de guidon doré qui rappelle la fourche. Doré. Ah, la fourche inversée. Qui a sur le 2015 et non sur le 2014. C'est ça, donc ça encaisse mieux les coups, les pavés. Bon. Le petit rétro. Avec la coque. BCD. Coque carbone. Voilà. La petite bulle BCD. Mon stage, franchement, j'ai réfléchi, mais non. Le ? Non, pourquoi ? Parce que pour moi, le T-Max, il est agressif parce que justement, il a rien en dessous. C'est parce qu'il n'y a rien en dessous que c'est méchant. La moustache, ça fait. Ça, c'est trop. C'est, ouais, trop. Ça gâche un petit peu. Ouais. Ça, c'est tout. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Le tunnel, je pense, j'ai bien fait. C'est ouais, le tunnel, ça fait pas mal. Niagara. La ligne Acra, elle est vraiment propre. Hein. Je rappelle, toujours d'origine. Elle est vraiment propre. Elle est nickel. Pas une seule rayure dessus. Okay. Donc niveau moteur, ouais, tu disais d'origine toujours. Bientôt tu vas te lancer ou. Ouais, ça c'est pas mal ce petit détail. Sur la. Comme toi, l'objectif, mais. Ouais. Après, moi j'ai vu le mec de RMP, il m'a dit tout dépend. Je foutrais ta plaque, hein, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. J'ai vu le mec d'RMP, il m'a dit tout dépend de ce que tu fais, mais le pack overrange c'est pas mal. Hein. Bon, en fait, sur le papier, pack overrange, t'as plus de reprises sur autoroute aussi avec le correcteur de coupe. Voilà. Finalement, barre autocoupouli, ça te donne aussi du plus de coupe à 100, apparemment. Enfin, tu peux mieux me dire, hein, parce que t'as barre autocoupouli, donc en fait, au niveau d'expérience, sur ça, t'es mieux placé. Hein. Bah, après, franchement, j'ai jamais testé de pack overrange. Bah, moi, j'ai testé un peu. Tu peux nous faire voir tes petits LED là, comment ça fait? Ouais, parce que la petite pack LED là, franchement, si vous avez vu ça dans l'ancienne vidéo, c'est pas mal. Hein. Il tourne beaucoup celui-ci. Franchement, mais... c'est super. Donc là, il est mis, mais sachant qu'il fait jour, franchement. Ouais, avec le jour, alors, c'est en pas. Fait, l'éclairage, il varie beaucoup. Ah, les petits clignotants, franchement, c'est stylé ça. C'est stylé de ouf. Non, ça rend, ça rend. Franchement, ça donne bien. Je vais vous faire voir derrière comment ça fait. Oh, le derrière il est énervé. Le derrière il est énervé. Ah franchement ouais. Et puis de loin finalement c'est magnifique. Franchement. Je pense que ça forme un T. Genre, j'ai déjà demandé ah ouais, ça fait comme le 560. Ouais, c'est ça exactement, ça ressemble un peu. Ouais ouais. Ah alors, franchement. De loin quand je freine on dirait que ça forme un T. C'est magnifique. Franchement t'as, ça c'est un bon investissement. Non, exactement, ça. Franchement. En plus on le remerciera bien. Jamais aussi assez T-Max France pour ça, mais franchement. Ça c'est franchement ouais. T-Max France, franchement les bas, même le petit passage, le support de plaque, je kiffe bien. Ouais, ouais, support de plaque très cool. Pas comme ouais, le mien, très c'est court. Bien éclairé aussi. Ouais, ici. Ouais, ouais. Ça c'est cool. Franchement bien. Ton chicane gros diamètre, hein, on a remis. Ah, regardez, il a remis la chicane. Ouais, ouais, alors, gros pourtant, diamètre. Je sais que. Pourtant, il fait du bruit. Hein. Voilà, sans chicane, c'est la base. Mais. Fais-nous voir le bruit qu'il fait, vite fait. Avec la chicane.
petite plaque avec marqué Iron Max. Ah, voilà, là, elle est beau. Ah, maintenant je vais vous passer sur le 2014. Je vais vous faire voir les différences qu'il y a avec le Iron. Bah déjà tout le derrière c'est le même, on va dire, hein, y a pas de différence. Ça joue plutôt sur le devant et au niveau du compteur. Donc dessus à la ligne Acra, elle est pas mal abîmée celle-là. Elle a souffert. Faut que je retrouve quelqu'un pour me la peindre, ça serait bien. Celle-là elle a souffert. Hein. Elle a du vécu, comme on dit. Dessus elle a les petits cache-feux, cache clignotant. Elle protège courroie en rouge. Le liseré, support de plaque, c'est pas le même que poteau. Celle-là, elle est un peu déportée. Ouais, mais c'est pas non plus choquant, c'est pas non plus trop dérangeant. Il y a le bouchon d'huile. C'est pas moche quand même. C'est pas moche, mais elle est plus belle quand même la tienne. On a mis les petits poignets, les caches de liquide. Donc dessus, il y a la bulle BCD aussi, les rétros d'origine. Donc sur celui-là, niveau moteur, il y a contre-poulie, variomal aussi, galet 14 grammes, ligne Acra, bien sûr, comme vous avez vu, avec la chicane. Donc les différences, comme vous voyez, sur le 2014 qui se trouve ici, vous avez la veilleuse qui a disparu sur le 2015 Iron. Ouais, la fameuse veilleuse. La fameuse veilleuse. Qui peut s'enlever, hein, mais voilà, après... Vous avez le bloc optique qui est complètement différent. Moi je préfère beaucoup celui-là du Iron, il est beaucoup plus beau. Ensuite vous avez le compteur qui a changé aussi. Là c'est un compteur... Mais finalement même sur les 2015, hein, le compteur c'est celui-ci, enfin, c'est-à-dire qu'en fait... C'est clair en orange. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait sur les 2015, si c'est pas l'Iron, il est rouge le compteur aussi. Enfin, ah bon? Oui. Ah ouais, alors que l'Iron en fait, justement le compteur... Bah... L'Iron il est beau. Le compteur c'est... Bon après voilà, ça ressemble. Ça c'est clair en blanc. C'est écrit en blanc et c'est réfléchissant en blanc. C'est stylé, ouais. Voilà. Franchement, c'est stylé. Et voilà, sinon, comme toi, il y a la consommation, la température, 6,1 litres au 100, ouais. Je t'ai dit, ça consomme. Après, les kilomètres. Voilà quoi. Ah, le compteur, elle est pas mal, j'aime bien. Démarrage en clé, bien sûr, aussi, à partir de 2015. Franchement, c'est fiable. Hein. C'est fiable? C'est fiable, il n'y a pas de souci. Ça, c'est stylé, ça. Il n'y a pas de souci, mais je pense qu'on va retirer la chicane, là, les amis. Après, la course, ouais, ouais, je vais retirer la chicane pour parce qu'après on va se faire des petits départs arrêtés pour voir la différence entre un T-Max 530 et un autre T-Max 530. Sachant avec Vario. Je suis d'origine, j'étais en galette 18, j'ai fait ma révision des 20 000 chez Ridebike, franchement nickel, et ils m'ont mis des galettes 15, donc ça marche un peu mieux. Ah ouais, ça doit marcher un peu mieux, et ça va plus voilà, accélérer. Ouais. J'ai compris vraiment maintenant. Bah, voilà, T-Max, c'est sûr que ça marche mieux avec la ligne d'origine et ça marche mieux avec chicane. En fait, voilà, c'est. C'est un embrayage, c'est le vario quoi, donc Les petits pneus sont tout neufs. Aïe. Sur celui-là aussi, 2014, ils ont été changés là. La chicane. Donc voilà, le petit Iron Max, il est propre. Hein. Moi pour moi, comme je vous ai dit, hein, c'est le plus beau des MT Max celui-là. Hein. Il détrône tout. Hein. Il détrône tout celui-là. Elle est vraiment beau. Hein. Là, l'ami il est en train de retirer sa chicane. Ça tire avec la pince. Aïe, elle est bien accrochée. Hein. Ah ouais, elle est bien accrochée. Hein. On va la retirer tranquillement. Ouais, faut pas la tordre. Non. Si tu veux faire. Vas-y, si tu veux. Je te tiens. On se retrouve tout de suite, les amis. Alors, tu me disais sans chicane, tu consommes moins? Franchement, moi, en fonction de mon expérience. Ouais. Sans chicane, je consomme moins parce qu'en fait, le bruit, c'est psychologique. Hein. Le bruit, en fait, dans ton cerveau, il te dit peut-être de moins accélérer parce que tu fais du bruit. Donc du coup, je temporise plus sans chicane. Ouais. Donc je stabilise beaucoup plus vite qu'avec chicane. Avec chicane, c'est comme si, genre, t'as tout le temps envie de... Ouais. Et t'as tout le temps envie encore plus d'accélérer. De faire du bruit. Tu veux faire du bruit, ouais, ouais. C'est tu veux faire du bruit, mais vu qu'il n'y en a pas, voilà. Faut accélérer. Parce que là, du coup, on va vous faire écouter là, sans chicane. Sans chicane, ce que ça donne. Déjà, mais là, ça chante vraiment bien. Il n'y a même
on dira, sort du magasin. Ça, franchement, la cartouche. Non, franchement, voilà, c'est pas mal. Fourche inversée, pas de fourche inversée. Voilà. Mais sinon, le cadre, tout, enfin, l'ADN de Stemax, du moins, c'est la même. C'est la même, ouais, c'est pour pareil. Pencher, voilà, c'est la même. C'est la même. Ouais. De toute façon, les T-Max, c'est ça, c'est des machines sportives, mais qui, voilà, on le but. Alors, l'objectif, c'est de garder les permis à deux, hein, donc ça reste un c'est compromis. Ça, hein. Ça sera toujours un compromis. J'en ai encore parlé hier avec un pote qui me disait, mais il voulait faire pas faire un T-Max hyper puissant, tu sais, surpuissant. Et après, non. Ça sortira jamais, je pense. Mais ouais, c'est vrai. Sinon, ils vont perdre leurs clients. C'est pour ça que là, aujourd'hui, quand on regarde le 2022, c'est dans la continuité du 560. C'est ça. Avec les options. Ouais. Élargir encore plus la clientèle. Ouais, ils veulent mettre plus de confort, je pense. Voilà, plus de confort, plus d'options. Et le moteur, c'est la même chose que le 560. Parce que sur celui-là, il n'y a pas de régulateur de vitesse, il n'y a pas de bulle électrique, il n'y a pas de. Si toi, t'as rajouté les poignées chauffantes, ouais, par contre. Les poignées chauffantes, ouais. C'est le poignée chauffante. Poignée chauffante. Avec 5 systèmes de chauffe, voilà, le bouton il est là. Ah ouais, c'est pas mal, c'est discret en plus. Hein. Et puis voilà, regarde, je pense c'est super discret. Contact. Là, elles te disent qu'elles sont connectées. Mode bleu, mode vert. Ah, c'est franchement, c'est super mode discret, orange, c'est mode rouge. Ouais, c'est les Technoglobe, franchement. Ça marche bien, ouais, ça chauffe bien. Ouais. Apparemment, donc ces Technoglobe là, c'est la version 2.0, elles chauffent un peu moins que la dernière. Ouais. Parce que c'était trop dangereux, justement. Donc ils ont remis à jour leur produit. Et franchement, je suis satisfait. Ah, c'est bien. Ça, c'est pratique, ça. Et ouais, c'est super pratique. Parce que moi, l'hiver, putain, tu prends cher. Hein. J'ai les manchons, mais bon, ça sert pas à grand chose. Ouais, j'avais vu sur l'ancienne vidéo. Ouais. C'est pas mal, ça aussi. Ouais, franchement, pour l'hiver, t'es bien. Puis, il est très cintré, donc il casse pas la glace. Ouais. Ouais, puis il est beau, même. Ouais, moi, je le trouve très beau. Bah, voilà, les amis, je crois, on a fait le tour des T-Max. Et franchement, dites dans les commentaires, avec Dosseret. Ah ouais, les amis, ça nous intéresse ça, T-Max 530 avec Dosseret. Donc je vais faire voir la ligne un peu avec Dosseret. Ou sinon, un T-Max 530 mais sans le Dosseret. Dites dans les commentaires, vous préférez quoi? C'est important. Parce que le frérot, il hésite à le retirer, mais il stâte. Il sait pas encore. Je dis pas, ça casse un peu quelque chose, mais ça. J'aime bien les deux, franchement j'aime bien les deux. Ça passe bien. Après à mon avis le mec, comme tu me disais tout à l'heure, là, il a voulu mettre un top cache, je pense. Ouais. Du coup il va falloir que soit tu changes la coque arrière ou soit tu. C'est ça. Surtout que la pièce. Petit passage de cette pièce là, juste le petit triangle qui coûte 150 euros. 150 euros ça là chez Yamaha, juste parce qu'il quand même. T-Max Iron Max. Ah ouais. Et la plaque elle se décolle pas, tu peux pas la reprendre et racheter un. Ah, je sais même pas. Hein. Non, je crois pas. Hein. Je crois pas. Ok, les amis. Bon, bah, on se retrouve tout à l'heure. On va faire des petits départs arrêtés. Allez, tchuss. Ah, j'avais oublié de te demander aussi. Tu comptes faire quoi de plus sur ton T-Max là? Tu comptes le laisser comme ça? Faire des petites améliorations? Changer des pièces? Tuning ou. Après depuis que je l'ai, niveau moteur, hein, niveau comment ça avance, comment ça se comporte, j'ai quand même. L'expérience elle change, je pense, forcément maintenant depuis que je l'ai, ça a évolué, hein, heureusement. Donc je me dis que ça va plus s'arracher avec un Mario, mais ça restera toujours la même sensation. Voilà, j'ai entendu. Ouais, c'est toujours. C'est incroyable, voilà, ce sera. Ça accélère juste un peu plus fort. Mais j'arrive à comprendre que c'est pas la même sensation finalement que une moto. C'est pour ça que XADV c'est stylé en vrai aussi. XADV j'aime pas, ouais. J'ai testé, mais après voilà. Vario, ouais. Pas juste un Vario, genre quand je le mettrai le Vario ce sera avec la contre-poulie ou le pack over range entier. Ok. Mais voilà, de toute façon c'est ce qui se fait de mieux, c'est ça. C'est ça, quand tu touches un Bracam ou. Ah, après, tu rentres dans un truc. Ouais. Il faut aller voir son rider ou ça. Ouais, bien sûr. Après, tu me parlais aussi de ta selle, tu veux le faire. Moi, voilà, c'est plus quelque chose de. Voilà, d'utilitaire, hein. C'est un véhicule utilitaire, mais le rendre encore plus utilitaire sur mesure pour moi, c'est-à-dire que la selle, moi j'aimerais bien la personnaliser. Ouais, vu que t'es grand en plus, tu moi, me disais que tu voulais retirer. Je suis pas non plus trop grand, mais je suis grand, donc c'est-à-dire que ça, j'aimerais bien l'enlever et le reculer un peu, c'est-à-dire faire quelque chose de plus en longueur, et du coup je pourrais me reculer davantage. Après, sinon, en fait, c'est le seul gros truc. Bientôt, il va falloir changer les plaquettes, les deux pneus ils sont neufs. Plaquettes, ouais, les pneus sont neufs dessus. 22 000 km l'Iron. Franchement, c'est coté combien ça? Tu peux le revendre combien ça, à peu près là cher, ouais. Ça, 8 000 non?
combien 8500 Putain, ouais, c'est ouf, hein. Le prix d'un DX, quoi. C'est ça. Franchement, ouais, c'est... il est plus beau que le DX, franchement. Et ouais. Et celui-là, c'est pour moi, personnellement, je donne pas d'âge, je critique personne ou quoi, mais c'est le plus moche des T-Max qu'ils ont fait. Le DX. Ah, franchement, ouais. Ouais, après, tu mets des cages PCD, ça peut encore aller. Ça peut encore aller, mais le derrière, elle est vraiment... Je sais pas ce qui leur est arrivé, là, mais... Après, je trouve ça que je trouve juste aussi un peu dommage, je sais pas ce que t'en penses, c'est qu'au niveau du DX et au niveau du 560, c'est les mêmes compteurs, les mêmes. On dirait, il n'y a pas de différence. Quand tu es au volant du DX, tu as l'impression. Au guidon. Au guidon, ouais. Ouais, excusez-moi. Bah, non, ouais, c'est ça. Après, 560, voilà, c'est juste les clignotants qui sont en barre, quoi. Ils sont là, ouais. Ouais, mais bon, c'est vraiment des petits détails. Pas le même type de véhicule. C'est des phases voilà, différentes. Ouais, tu disais que tu avais eu un 500 toi. Ouais, j'ai eu le tout premier 500 moi. Il était d'année 2004, je crois, si je dis pas de bêtises. Après, j'ai eu un 500 de 2011. Niveau assise. Ah, les conforts. T'es très bas. Ah, t'es bas et puis t'es confort. La selle, elle est vraiment au top. T'as pas mal au cul. C'est jet ski. Ouais, franchement, ouais. Ouais, t'es bien. Parce que, en fait, c'est ça, jusqu'à. Parce que cette phase-là, c'est la phase terminale. Je l'ai déjà dit, mais c'est la phase terminale de celle-ci. Ouais, c'est ça, du 500, ouais, du 500 voilà, aussi. Ouais. C'est la phase terminale. Il n'y a plus rien après ça. Après, il y a le DX, voilà. Il y a une phase. Et là, maintenant, il y a le 2022. Mais non. Niveau assise, ça ressemble un peu au 500. Voilà. Ouais, le 500 était encore plus bas, je crois. Mais le 500, après, le tout premier, il est plus bas. Ouais. Incroyable ça. Alors, quand tu regardes aujourd'hui le 2022, où les DX, ouais, maintenant, ils sont tellement hauts. Ouais. Et ouais, c'est. Après, au niveau des rétros aussi, franchement, ouais, sur le rétros. 2014, ça me dérange un peu quand on fait de l'interfile. C'est ouais, la même hauteur que c'est la même hauteur que les rétros de voiture en fait. Donc, tu tapes beaucoup avec. C'est vrai que maintenant, je regarde, ils sont bien plus hauts les miens que Toi, ça, sur le 2015, ils passent au-dessus, on va dire. Ils sont plus courts, les tiens. Ils sont moins en largeur. Ouais. Mais toi, tu passes au-dessus aussi, tu vois, dans les interfiles. Ouais, après ça arrive toujours, ouais. Ça dépend si ton scooter il est un peu penché ou quoi. Après, je trouvais ça intéressant aussi ce que tu disais dans la vidéo à SRV. C'est comme tu disais, le 560 il a pas beaucoup vu la lumière, vu qu'ils ont vite changé les carénages. Alors que celui-là, depuis 2012, ça bouge pas. À 2016, ils ont pas bougé, quoi. Ils ont laissé. Ouais. C'est vrai que... Ça devait être leur best-seller, ils n'avaient pas envie de faire un truc dessus ou décevoir des gens. C'est le DX, il y a eu beaucoup de campagnes de rappel. Ouais. Ça a bien marché. Voilà. Après, c'est pour ça que si on achète un DX aujourd'hui sur le Bon Coin, il faut s'assurer qu'il ait eu les campagnes de rappel. Ouais, un jour. Ouais. Mais ils l'ont vite enlevé, il est resté quoi? Il est resté 2 ans, même pas. Ouais, même après, le 560. Hein. 560. Ouais. Pareil, 2 ans après, ils ont refait un autre. Il marche bien par contre. Le 560, j'aime bien. Plus au début, je t'avoue honnêtement que quand il est sorti, je l'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout le derrière, tout ça. Et plus en plus, je le vois et je le trouve beau. Franchement, il est beau. Il est bien. Ouais, j'aime bien. Il marche. Et puis, je sais pas, j'ai jamais testé. Moi, je trouve qu'il marche mieux qu'un Iron Dory. Ouais, j'ai vu la vidéo là sur. Il n'y a pas grande différence non plus. Franchement, c'est pas un truc de fou non plus. Tu dis, il y a quand même. Sur le papier, il y a 30 chevaux de plus, quoi, 30 cylindrées de plus. C'est ça, donc en fait c'est 40, bah en fait c'est 48 chevaux, quoi. Ouais. Ça c'est 46. Donc sauf tu vois. À la barre, c'est pas 46. Ça j'ai regardé les Arco Racing, tout ça, là qui font pas. Ils l'ont mis sur le banc. Sur le banc, ouais. Sur le banc, oui, c'est ça, voilà. 38 chevaux. 38 chevaux, ouais. L'arnaque. Voilà. Ah ouais, l'arnaque. Exactement. 38 chevaux, ouais, c'est chaud. Et avec un Vario contre poulie ou un Vario de range. Ouais, tu gagnes pas grand chose non plus. Hein. Ouais, tu gagnes pas énormément. Donc il faut vraiment, voilà, doser par rapport à ce qu'on dit en concession. Ouais, après faut vraiment voir. Sur le banc, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Ah bah c'est sûr. Les 560, pourtant, sur le banc, il prend pas 48. Il prend moins aussi, ouais. Je t'avoue, j'aimerais bien tester le 560. J'ai jamais testé, j'ai jamais monté dessus non plus. Ouais, ils sont vraiment très bien, c'est différent. Et tu me disais, t'as plus de place pour tes jambes, toi, vu que t'es grand. Ouais, t'as plus de place. Ouais. Et voilà, t'as plus de place, tu te sens plus sur un plus gros truc et moi sur une petite machine sportive. Ouais. C'est, voilà, ça c'est net et précis. Y a moins après, au niveau du poids, il est plus lourd ou les. Moi je trouve plus lourd. Moi, c'est tout le bloc à l'avant que je trouve très lourd. Ok. Très lourd à emmener, très lourd à porter, mais après, c'est une question d'habitude. Ouais, après, une fois que tu roules avec, je pense que tu t'habitues. Et voilà, je trouve qu'il est beaucoup plus maniable celui-là. Celui-là, il est plus sportif, il est plus agressif.
Ah, celui-là, le Iron, franchement, les amis, dites en commentaire, mais c'est vraiment le plus beau. On va faire des petits départs. Celui-là, franchement, ouais, on va se faire des petits départs arrêtés là. On va essayer de caler ça. Je vous dis à tout de suite, les amis. Bon, les amis, on se retrouve là. On va faire des petits départs arrêtés avec le 530 Iron. Là, il est full d'origine. Sur le 2014, il y a contre-poulie et vario, comme je vous ai dit, galé 14 grammes. Donc on va voir si vraiment la différence elle est flagrante ou s'il n'y a pas grand chose de différence quoi. Sachant que je suis sans chicane. Sachant qu'il est sans chicane le poteau. Donc déjà il perd un peu plus de couple, on va dire, au démarrage. On fait aux 3 coups de klaxon. Ah. Ouais, il y a quand même pas mal de différence. Ouais. Après c'est pas flagrant de ouf franchement pour le prix que ça coûte et l'entretien qu'il y a à faire dessus, mais bon, ça marche quand même mieux. On va refaire un petit départ, on va voir. On va refaire un ouais, c'est aux 3 coups de klaxon. Ouais, t'as ramadé au troisième on part. Ouais. Quand tu veux. Il y a des cyclistes là. Ouais, ils vont casser les couilles. Ils sont à droite ou à gauche, ils sont mal. On va tester ça. 3 coups de klaxon. Troisième, on part. Ouais, franchement, il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Honnêtement, je le vois dans mon rétro quoi. Si tu veux, prends le bien. Ouais. Prends le bien, tu viens voir, mais surtout que là, il y a des poils échauffants, c'est bien. Là, j'ai mis des poils échauffants. Pourquoi c'est pas coupé le tien avec la béquille? Il a coupé le mec quand je l'ai acheté. T'as vu? Oh, alors, c'est bien dessus. Ouais. Donc là, je suis sur le Iron 530 de 2015. On va voir ce qu'il donne. Oh là là, il est d'une souplesse. Eh, hey, il est mieux. Hein. Ma parole, il est mieux. Hein. En fait, il est plus réactif. Ah, celui-là, il est mieux. Je sais pas, niveau suspension, tout ça, je me sens mieux, non? C'est quoi toi, ton ressenti? Je le sens un peu plus raide. Ouais, moi, je sais pas, je suis bien dessus là. Oh, claque. Ouais, c'est parti. Un. Faut vraiment que j'aille changer les plaquettes sur le mien. Mon freinage, il est à chier. Ah, je le sens beaucoup plus léger le tien. Ouais. Franchement, il est plus léger. Ouais, c'est vrai. Ouais. Hein? Ouais. C'est ouf. Ouais, non, je suis d'accord. Même la... Départ lancé à 30. Vas-y. Bon, on va se mettre à 30, on va faire un petit départ lancé, voir ce que ça donne. Bah moi c'est le contraire. Là, on est trop habitué en fait. Je te dis, il marche hein. Ouais. Celui-là, il marche hein. Il marche bien. Quand t'es parti hein. Ouais. Bah, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence hein. Non, mais après ça reste la même machine hein. Ouais. Tant que c'est pas un turbo, ce sera jamais. C'est pas ouf hein. On essaye de faire la meilleure prépa, mais il y a des garages qui diront ça, d'autres ça, mais bon voilà. Franchement, après, je suis. Là, aller voir son rider. Parce ouais. Son rider, je sais, il fait des vrais trucs. Parce que tu mets pas une tempête quoi, tu vois, c'est. Quand même, hein, je pars là, le mien il se fait craindre quand même. Ouais, mais après, je suis pas loin quoi, tu vois. Je suis pas non plus une distance de fou. A voir sur une longue durée. Parce que ouais. Ouais. On est reparti, on en refait un. Fais un dernier, ouais. Ou tu départ lancé, tu préfères quoi? On se met à 50, on essaye. Lancé, mais on va jusqu'à là-bas, on roule un peu. Tu sais, jusque là où on est arrivé quasiment et on revient. Vas-y. Tu filmes là? Ouais. Allez. Vas-y, 1, 2, 3. On va refaire, on a bégayé.
3 coups de klaxon. Ah ouais, son ABS il se déclenche pas mal là lui aussi. Hein. Moi je pensais que c'était le mien. Ah non en fait. Ah je sais pas, je trouve il est chelou quand même. Ouais. Genre, quand je veux tourner là, il y a comme une résistance. Ouais. Ça c'est peut-être depuis que j'ai eu mon accident. Voilà. Ouais, c'est possible. Bon, à mon avis, vous devez prendre du vent dans la tronche, les amis. Il essaye de lever le poteau. Ah, c'est marrant, il y a la clé qui clignote. Il y a la clé qui clignote. La clé ? Ouais. Ah, tu l'as dans ta poche. Ouais. Ouais, il marche bien. Purée, ouais. En fait, c'est jusqu'à 120 comme moi, c'est juste que tu vas plus vite à 120. Ouais, c'est ça, après ça, ouais. Après ça stagne. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et t'as pas rien contre le poulie ? Ouais. Ouais, il y a pas beaucoup de différence, hein, je trouve. Hein. Faudrait peut-être que je mette des galettes 13 grammes. La galette combien là ? 14. Ouais, 14 encore, c'est très bien. Hein. Ouais. Ouais. Tu vas reprendre celui-là ou ? Non, vas-y. Vas-y, c'est reparti. Il est bien celui-là, il est stylé. Hein. J'adore le compteur. Ah, et puis il fait un boucan sur la chicane, les amis. Voilà, verdict, je trouve que le 530, hein, fallait pas s'y attendre, de toute façon il n'y a pas de surprise, que ça marche mieux avec Vario contre poulie, etc, il n'y a pas de surprise, de toute façon tout le monde le savait, on voulait juste faire un petit essai, voir la différence, si c'était flagrant ou pas, et franchement à mes yeux c'est pas si flagrant que ça quoi, c'est, ça marche mieux mais... Il n'y a pas de différence de ouf quoi. Ça marche mieux mais franchement je m'attendais à avoir plus de différence. Et après niveau entretien, niveau tout ça, je sais pas si ça vaut. Si ça en vaut la chandelle, ouais. Franchement, l'usure des galets, tout ça, l'usure ouais, de la courroie. Ouais. Je sais pas si ça en vaut la chandelle, tu vois. Moi je trouve que. Parce que c'est pas flagrant de ouf quoi, tu vois, c'est pas. En fait, quand tu mets un Vario que t'es plus d'origine, et ben en fait, c'est bizarre, mais moi je trouve que justement c'est moins réactif. C'est comme si quand tu mets tes poignées dans l'angle avec un Vario Malossi contre le poulie, enfin là, en fait c'est comme si le Vario à l'intérieur il patinait. Il patine, t'as vu, ça se voit au niveau du compteur. En fait, ouais. Comme s'il patinait, et donc du coup, bah forcément il patine et fusée. Alors que là c'est adapté encore, donc du coup je trouve que ça a plus de. Pas de reprise, mais je veux dire. C'est plus instantané, exact, plus naturel quoi. Exact, c'est plus réactif. Ouais. Mais vraiment réactif, genre même si ça t'arrache pas, mais réactif sans que ça patine, tu sens pas que ça à l'intérieur. C'est... Ouais, je comprends ce que tu veux dire, Ça, exactement. Après, ça, tu vois, c'est des questions à se poser quoi. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup après niveau entretien. Ouais, c'est ça. Tu vois encore niveau. Lui, il est posé, lui. Il est bien lui. Lui, il a un Vario mal aussi dessus. Non, ouais, franchement, c'est. Après, quand tu le revends aussi, les gens ils aiment bien aussi l'acheter d'origine. Hein. Ah, ça, c'est. Ouais, c'est par contre, pour la vente, ouais. Pour la vente, c'est. C'est comme ça qui te plaît d'origine, en fait. C'est très bien. Parce qu'après, les gens ils vont se dire, ouais, le mec il est équipé, on sait pas ce qu'il a fait avec.
À voir. Bon, en tout cas, verdict, hein, bah, ça marche mieux, mais. Ça marche mieux quand même. Pas de ouf. À 120 beaucoup plus vite quand même. Ouais, de 0 à 120, on va beaucoup plus vite. Mais quand je regardais dans le rétro, t'étais pas loin derrière quand même. Hein. Ouais, ouais. Franchement, c'est pas de tempête de ouf. Pas encore, j'avais l'impression de te semer quand même. C'est pas une tempête de ouf. Hein. Ouais, mais moi, j'étais content de te mettre tempête. Ouais, mais. C'est, franchement, ouais, je m'attendais à plus pire que ça. Vraiment, il est beaucoup plus maniable hein, le mien. Ouais, ouais, ouais. Par contre, ouais. Par contre, ouais, celui-là, il est beaucoup plus maniable. Le fait qu'il n'ait pas eu d'accident, parce que pourtant, il est tombé quand même. Hein. Ouais. Je l'ai acheté et c'est sûr qu'il a eu un accident parce que bah, déjà ici, c'était frotté avant même que je l'achète. Parce que pour moi, franchement, et, il met. Ici, ça a été, tu vois, regarde. Ah ouais, frotté, ouais. Ici. En fait, c'est forcément. Après, c'est peut-être des petites chutes à l'arrêt aussi. Hein. Toi, ça, des fois, tu veux le mettre sur la béquille ou quoi, il tombe. Mais plus maniable le 2015 en tout cas. Et pour moi, je sais pas, c'est un ressenti personnel. Je l'ai trouvé plus léger. Ouais. Je sais pas si c'est dans ma tête ou pas, mais je l'ai senti plus léger que le 2014. Je te confirme, je suis habitué, mais là en étant monté sur le tien. Ouais, ouais, ouais. Même s'il y a un carton ou même pas de carton, parce que bah, il est normal, enfin, c'est un 2014. Ouais, ouais. Et ben franchement, il est plus lourd. Ouais, ouais, je l'ai senti beaucoup plus léger. Ouais, comme je vous disais les amis, franchement le niveau ressenti, niveau maniabilité, niveau freinage, niveau poids, le 2015 il est mieux quand même. Franchement il est mieux que le 2014. Je pense que ça doit y jouer. Ouais. Ça doit pas s'y jouer. Et franchement ouais. Niveau freinage aussi, il freine mieux. Non c'est ouais, c'est les machines qui se ressemblent mais c'est quand même pas la même. Ouais, c'est les mêmes modèles niveau forme, niveau tout ça, mais c'est pas. Ça se voit que 2015-2016, ils ont fait quelque chose. Quoi. Ouais, mais pourtant, ils ont changé quelque chose. Le moteur, c'est le même. Ils ont dû changer des petits trucs. Rien barin que les fourches déjà, c'est la fourche inversée. Déjà, oui, il y a une fourche inversée. Tu vois, ça a dû jouer déjà sur quelque chose. Mais franchement, après, comme on disait, vario, pas vario, ça à vous de faire votre choix. Mais après, il faut penser entretien, ouais, faut penser moi, à tout ça. Quoi. Bon, pas beaucoup de gens, hein. Je suis personne dans. Moi non plus, ouais, je suis pas grand monde. Ouais. Bon, moi je suis quand même très centré Maxi Scoot, donc T-Max. Là j'ai vu, il y a un ADV qui est sorti, le ADV 350. C'est un mélange de Forza 125 et d'XADV. Je sais pas si t'as vu. Ouais, non, j'ai pas fait attention. Après, il y a que T-Max qui te plaît, toi, ou il y a des. Ouais, il y a XADV, tu m'as dit, qui ouais, te plaisait bien, ouais. C'est pas mal. Le BEM, t'aimes pas les BEM, les 650 GT, là, non, tout non. ça non, non, mais finalement, dans les Maxi Scoot, voilà, les trois, c'est Forza 750, XADV. Et ouais, c'est T-Max, ouais. Forza 750, il est bien, j'ai un voisin moelle là, et il faudrait que je l'essaye. Ça marche bien. Ouais, apparemment, ça marche fort, même. Bon, voilà, les amis, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et on se retrouve bientôt. Salut, poto. Ciao, à plus.